votre vidéo préférée de la semaine. C'est le journal créatif de la semaine et c'est le numéro 52. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, je vais vous montrer ce que j'ai fait pendant la semaine, que ce soit de la broderie ou du tricot ou autre chose. Je vais vous en parler, je vais vous montrer mes avancées. Voilà, mais avant toute chose, je souhaite la bienvenue aux nouveaux et nouvelles qui sont arrivés sur la chaîne. Voilà, nous sommes à presque 8000 abonnés. Il en manque 5. donc, dans 5 abonnés, nous serons 8000 abonnés sur ma chaîne. Et je trouve ça vraiment merveilleux. Comme vous avez pu voir cette semaine, je vous avais mis un petit message vidéo pour vous dire que c'était l'anniversaire de ma chaîne, fin juillet, donc le 31 ou le 30, je ne sais plus. Ma chaîne a 8 ans. 8 ans, 8000 abonnés. Je vais jouer le 8 au loto. Non, mais je suis vraiment super heureuse. Bon, bien sûr, il y a des personnes qui ont des chaînes du même âge que moi, mais qui ont beaucoup, 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 beaucoup plus d'abonnés. Hein. Des fois, ça peut se multiplier par 10 ou même plus. Mais moi, je suis très heureuse déjà d'avoir ce nombre d'abonnés, ce nombre de fidèles sur ma chaîne. Voilà, et chaque jour, ben, ça augmente. Voilà. J'en suis vraiment très heureuse. Bon, Fifi aussi est contente. Voilà. Attendez, elle est en train déjà de tout envoyer balader. Et donc, je disais, c'est grâce à vous que ma chaîne continue, qu'elle grandit. Bon, c'est vrai que quand je me rappelle de mes tout débuts sur ma chaîne, ma toute première vidéo est sur ma chaîne, hein. Donc si vous retournez en arrière, vous pourrez voir mes premières vidéos qui étaient catastrophiques. Mais alors, c'était quand je les revois maintenant, je dis, mon Dieu, il y a des gens qui se sont abonnés à ma chaîne à ce moment-là. Pas éclairé mes vidéos, au lieu de les mettre en paysage, elles étaient comme ça. Mon Dieu, c'était, mais juste pour rigoler, vous pouvez aller voir, vous verrez quand même que j'ai fait des progrès. Non, mais bon, c'est vrai que quand on ouvre une chaîne tout au début, et puis moi c'était il y a 8 ans, j'étais pas habituée aux chaînes YouTube. J'en regardais, hein, un petit peu, mais pas comme maintenant. Et du coup, bon, j'étais un petit peu perdue pour filmer la vidéo, pour faire le montage. Bon, il n'y avait pas de montage, hein. D'ailleurs, vous pouvez voir, il n'y a même pas de vignette, il n'y a rien. C'était vraiment brut de brut. Hein. Mais bon. Je les laisse, je ne les retire pas. Ce sont mes premières vidéos, donc ça fait partie de ma chaîne, ça fait partie de moi. Donc je ne vais pas les retirer, bien au contraire. Et donc voilà. Bon, depuis, hein, maintenant on a notre Fifi, hein, nationale sur les vidéos, très souvent. Voilà, je sais que vous êtes très heureux aussi. Voilà, je vous la baisse un petit peu pour que vous la voyez pendant que je parle d'elle. Que ça vous fait plaisir très souvent de la voir sur les vidéos. Voilà, j'ai beaucoup d'entre vous qui lui font des petits messages en lui disant un petit bisou, une gratouille, voilà. Donc ça me fait plaisir. Et quand vous lui dites des gratouilles, moi, je lui fais les gratouilles. Ah oui. Voilà. Hop. Oh, je suis trop haute. Donc voilà, bon, moi Chouchou aussi a une chaîne, hein, mais c'est moi qui m'en occupais, mais ça fait très 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 longtemps qu'on n'a pas mis de vidéo dessus. Bon, parce que lui, il ne veut pas parler dans les vidéos déjà,
Il n'aime pas, enfin, il n'aime pas, ou c'est de la timidité, ou je sais pas, mais bon, il est, comment je vais dire? Moi, je suis extravertie. Voilà, moi, c'est. Tandis que Chouchou est une personne beaucoup plus calme, beaucoup introvertie, mais c'est dans le bon sens, elle est introvertie, mais dans le bon sens. Voilà. Il est plus. Oh, j'arrive pas à trouver le mot. Il s'expose moins, voilà. Bon, moi, c'est vrai que j'ai aussi dans mon. Dans la vie que j'ai eue et tout, bon, moi je suis née déjà avec des parents commerçants. Moi j'étais commerçante très longtemps. Après j'ai travaillé, j'ai toujours travaillé avec des personnes, avec. Puis de toute façon, je suis une grande bavarde. Voilà. Une caissière au supermarché, je lui parle. Une mamie au supermarché, je vais lui parler. Bah, ce matin encore, je me suis mis à parler avec une dame. Mais les gens vous regardent comme ça quand vous leur parlez, mais bon, je suis comme ça. C'est pas de ma faute. On va pas me changer hein, pour devenir pire, c'est pas la peine. Non, mais pour revenir à ma chaîne, je suis vraiment très très heureuse et je vous remercie tous d'être là pour faire vivre ma chaîne. Voilà. Donc. Fifi et moi, aujourd'hui, on va vous montrer ce que j'ai fait cette semaine. Alors, d'abord, il y aura le challenge. Alors, le challenge, c'est un challenge que je fais personnellement, mais certaines d'entre vous commencent à le faire et ça me fait plaisir. Je me prévois de faire 3000 croix par semaine. Voilà. Donc, des fois, je fais 3000, hop, hein. Des fois, je fais un peu moins, mais des fois, je fais plus ou je fais beaucoup plus. Ça dépend. Ça dépend des semaines, ça dépend comment la semaine s'est passée, le temps que j'ai eu. Voilà. Et puis, si je n'ai pas été trop patraque aussi. Bon, cette semaine, ça a été. Alors, dimanche, je sais, je vous remercie tous parce que vous avez tous mis un petit mot gentil parce que vous avez vu dans ma vidéo de la semaine dernière. J'avais très 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 mal à la tête. C'était pas une migraine, hein, c'était vraiment un maux de tête. Parce que bon, des migraines, j'en fais aussi, mais c'était pas du tout ça. Et donc, je vous rassure, je vais beaucoup mieux. Et bon, j'ai de plus en plus quand même des maux de tête, mais bon, ça c'est là, je veux venant, je pense aussi. Et puis, la fatigue et tout ça. Voilà, ça se remet. Cette semaine, sinon, ça a été un petit mal de ventre. Petit mal de ventre qui est vite passé, mais voilà. Bon, je suis toujours fatiguée, par contre. Hein. Ça change pas. Ça, c'est mon apnée du sommeil qui veut pas trop s'arranger, bah, surtout en ce moment, avec les énormes chaleurs qu'on a eues. Là aujourd'hui ça a été mieux, mais avec les très 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 grosses chaleurs qu'on a eues, même dans le nord, moi il est impossible pour moi de mettre ma machine d'apnée du sommeil. Moi j'ai un masque complet, je ne sais pas mettre un petit masque, enfin le petit tube là seulement. Bon, donc moi j'ai un masque complet et quand il fait très chaud je peux pas, j'y arrive pas. Donc quand je le mets pas, bah, je suis fatiguée. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Bon, tout ça pour dire que la semaine dernière, donc, j'avais prévu des petites choses à faire, mes broderies, bien sûr. Donc, j'avais prévu de faire en HAED, Mastin, entre parenthèses, puisque ce n'est pas un HAED, ça ne fait pas partie du site HAED. Mais comme c'est une couverture totale et que c'est un très grand modèle, je le considère comme un HAED. C'est une image que moi j'ai récupérée, qui était gratuite, que j'ai trouvée sur Pinterest et je l'ai transformée en grille de broderie. Voilà, donc vous la verrez tout à l'heure, pour ceux qui ne la connaissent pas encore.
Les salles, j'avais prévu de travailler sur mes ours de Noël et le colibri. Après, mes points de croix normaux. Je voulais travailler sur mon tigre, le patchwork sampler que je fais avec le gang des Québécoises, mon Halloween Quaker que je fais avec deux membres du gang des Québécoises, Geneviève et Sonia. T'as vu Geneviève, je fais des efforts, hein. Je ne cherche plus le prénom. C'est entre elle et moi. Je voulais faire aussi la demeure de charme que je fais en duo avec Amélie de la chaîne Dazing et Diamant, qui fait aussi partie de mon petit gang de Québécoises. Et je voulais faire aussi l'aquarium de Lucas S. Et en estampé, je voulais travailler sur la Dame de Noël. Ça y est, je vais commencer à bâiller, ça va pas le faire. Alors, j'ai travaillé sur certaines des broderies que je viens de vous dire, mais j'ai travaillé sur d'autres également. Voilà. C'est vrai que bon, je fais le tirage au sort, et puis des fois, je fais complètement autre chose, ou ça dépend mon humeur. Alors, cette semaine, j'ai travaillé. Alors, je vais déjà vous donner le compte de broderie. Pour changer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16. J'ai travaillé sur 16 broderies cette semaine. Je sais qu'il y en a certains ou certaines qui vont dire, ah, comment tu fais? Oui, je sais que certains d'entre vous sont mono en cours. Je trouve ça très bien aussi. Mais je ne sais pas travailler sur un seul ouvrage. Ça a toujours été, hein, tout le temps, tout le temps. Quand je faisais du scrap, quand je faisais du cartonnage, quand je faisais de la fimo, voilà, que je pouvais faire n'importe quoi, moi, il fallait toujours que j'ai plusieurs choses en cours. Et ça ne va pas s'arrangeant. La preuve, hein? 16 broderies cette semaine alors que j'en avais prévu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en avais prévu 9, j'en ai fait 16. J'ai fait le double. Enfin, presque le double. Ouais, je disais ça pourquoi? Oui, je ne sais pas être mono en cours. Et par contre, j'ai un défaut. Enfin, certaines d'entre vous vont dire que ce n'est pas un défaut parce qu'elles seront comme moi. Suivez mon regard, Sonia, Amélie. Je dis toujours que je ne vais rien commencer de nouveau. Et puis, ben, y a toujours un qui se rajoute. Tout le temps. Bon, cette semaine, il n'y a rien qui s'est rajouté. Enfin, si, il y a une nouvelle broderie qui a commencé, mais elle était prévue. Voilà, elle était prévue, donc on va dire que j'ai été sage cette semaine. Je n'ai rajouté aucune broderie nouvelle. C'est déjà ça. Donc, je vais vous montrer. Alors, je vais commencer par la dernière. La dernière, c'est celle que j'ai faite ce soir, avant de souper et un petit peu après souper. C'était mon estampé. Mais je n'ai pas sorti la Dame de Noël, ça aussi. Hein. Vous voyez, je prévois des trucs et puis je fais complètement à côté. C'est mon cerf. Voilà, je vais vous mettre les photos. Alors, j'ai. Où est-ce que c'est? Là. Ici, j'ai terminé le gris qui était là. Et j'ai commencé la feuille. Ici, vous voyez, en orange. J'ai commencé cette feuille. Voilà. Donc ça avance, pépère, mais voilà, ça avance doucement. Je suis toujours nickel sur mon dos, sur celle-là. Celle-là, je sais pas, j'arrive à rester nickel. Voilà.
C'est très bien. Donc sur celle-ci, j'ai fait plus ou moins 250 croix pour cette fois-ci. Mais bon, ça avance. Bon, elle est grande hein, comme broderie. Donc, je mettrai le temps qu'il faut pour la faire. Je suis pas du tout pressée pour faire celle-ci. Ouais, je suis pas pressée. C'est pas un sale, c'est pas un duo, c'est pas voilà. Donc, y a aucun problème. Même si je la termine dans 2 ans, et ben, je la terminerai dans 2 ans. On va rester sur les estampés. Et c'est là que... C'est rien, Fifi. Si maman, elle fait du bon. Ah, Fifi va s'en aller. Tu t'en vas? Tu restes? Si tu restes, il faut t'asseoir. Enfin, tu es déjà assise, mais alors il faut te coucher. Ah, moi, j'ai des croquettes. Pas une petite faim, pas un petit creux, si un petit creux. Alors, je fais. Alors d'abord, au début, ça devait être un duo. Maintenant, c'est un trio. Je fais ça avec deux de mes abonnés qui font partie de mon groupe également de broderie, Armelle et Isa. On va faire. Voilà, c'est cette série-là. Alors, on va pas la faire entière, parce que moi, bon, il y en a une que je ne veux pas faire du tout. Elle est sur le thème du vin. Celle-là, je ne veux pas la faire. On n'a pas encore toutes les broderies à disposition chez nous pour l'instant. Donc, on va voir au fur et à mesure ce qu'on va faire. On a commencé donc par celle-ci. La confiture. Je vous explique pourquoi on commence par celle-là. Et là, il n'y a que moi et Armelle qui la faisons. Parce que Isa, avant de nous rejoindre, avait déjà brodé la confiture. Donc, Isa va commencer la prochaine broderie, donc le mois prochain, alors en même temps que nous. Là, pour l'instant, ben, elle brode pas celle-là. Enfin, elle brode, hein. Elle brode. Mais alors, c'est hier ou aujourd'hui, je ne sais plus, je l'ai appelée la Speedy Gonzalez de la broderie, parce qu'elle brode à une vitesse. Je suis époustouflée. oui, donc elle ne brodera pas ce mois-ci, mais à partir du mois prochain, elle prendra le train en route, comme on dit, pour broder la prochaine broderie en même temps que nous. On ne sait pas encore ce qu'on fera le mois prochain. On va déjà faire celle-là. Donc, je l'ai commencé. Bon, c'est un tout début. Hein. Voilà, je l'ai commencé là. Et donc, alors c'est une estampée, hein, vous le voyez. Donc, c'est une spring. Et c'est des broderies qui, je pense, vont aller assez vite à faire. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à broder dessus. Donc là, moi, bon, je l'avais déjà commencé, mais je l'avais commencé dans la journée. Parce que bon, bah, je voulais la commencer le 1er août. Mais là, c'est une broderie que je pense que je ferai le soir ou en fin d'après-midi. Quand on regarde la télé. Voilà. Donc, je pense qu'elle va être très. Là, déjà, elle est très agréable à faire. Vas-y, oui, mets-toi sur la broderie. Je peux la voir. Attends, pas les gris-griffes. Du coup, je sais plus ce que je vous disais. Oui, bah, c'est des broderies qui vont être assez simples à faire. Voilà. Donc, elles sont toutes sur le thème de la cuisine. Hein. Il y a le thé, le café, il y a le pain, il y a le fromage, il y a les œufs, il y a les biscuits, il y a le pain, il y a les confiseries. Je crois que
crois qu'il y a les agrumes, si je ne me trompe pas. Il y a l'huile d'olive et le vin. Voilà. Donc celle-là, je vous ai dit, c'est la seule que je ne ferai pas. Je ne sais pas si je ferai toutes les autres non plus, hein, on verra. Mais le vin, c'est sûr, je ne le ferai pas. Voilà. Et puis, de toute façon, bon, ça, c'est des broderies qu'il faut quand même installer dans une cuisine. Moi, ma cuisine est quand même toute petite. bon, on verra bien. On fait nos broderies et puis on verra jusqu'où ça nous mène. Donc là, j'ai pas fait grand-chose hein, dessus. J'ai fait... c'est assez quand même. 232 croix. Voilà, j'avais fait 232 croix sur celle-là. Je vais la remettre dans la pochette. Alors, c'est bien les springs parce que vous avez des pochettes comme ça. Du coup, vous pouvez tout laisser dedans. Oh, mais... Et je vais couper ta queue. Alors, maintenant, parlons sérieusement. j'ai avancé. Alors, je vais essayer de les prendre dans l'ordre si j'y arrive. Je vais en sortir deux, trois sur le côté. Comme ça, j'y vois plus clair. Non, c'est pas celle-là que je veux. Je crois que c'est celle-là. Oui, c'est celle-là. C'est ma grenouille. Donc la grenouille, c'est un modèle de chez Poussière d'Étoile. Voilà, c'est en vente sur sa boutique. Vous pouvez l'avoir en kit, si je ne me trompe pas, en PDF, en format papier, bien sûr. Voilà. Mettre les fils sur le côté pour qu'on voit mieux. Bon, ça y est, j'ai un fil qui s'est accroché. Voilà. Bon, Fifi, bouge pas, hein, mais... Donc, voilà où j'en suis. Alors, qu'est-ce que j'ai fait cette fois-ci? Oui, j'ai continué à travailler ma fleur, ici. Voilà, j'ai continué à travailler là, le bas. J'ai refait quelques croix manquantes dans la grenouille. Il y a encore des petites croix par-ci par-là, mais j'ai commencé à mettre les croix qui manquaient. Voilà. Alors, ma grenouille. Tu bouges. Elle a décidé aujourd'hui. Allez, couche-toi. Oui, elle est obéissante. ma grenouille, j'ai fait 355 croix. J'en suis à 5985 croix de brodées, soit 63,74%. Tu peux gratter tes puces ailleurs. Bon, je sais que tu n'as pas de puces, mais quand même. Voilà, donc 63, donc on va dire 64%. Donc 64, ça fait... Il me reste 36% à broder. Voilà. Il est joli, ma grenouille. Alors, ce que je vous ai déjà montré, je vais le mettre là et je vais faire comme d'habitude. Je vais pointer sur mon carnet, comme ça je sais que je vous l'ai montré. Mon canari. Ensuite, bon, tant pis, je vais vous montrer. Si je cherche, je vais prendre au fur et à mesure, ce sera plus simple. Ici, c'est un duo. Que je fais avec Céline. Alors c'est un duo, c'est un, on travaille sur des, chacune sur un lily point sur le thème du chat, mais on n'a pas la même broderie.
Moi, j'ai ma ronron-thérapie et Céline a celle-ci. Voilà. Et moi, celle-ci. Donc voilà, je vous montre. Alors, on fait quatre, c'est pas beaucoup, mais alors je vous le dis à chaque fois, mais Céline travaille, elle fait beaucoup d'heures, tout ça, et puis bon, elle doit s'occuper aussi chez elle. Donc, 4 cases, c'est très bien pour elle, donc moi, ça me va également. Voilà où j'en suis. Alors, la dernière fois, les deux dernières fois, j'avais fait cette phrase-là. Et ici, j'ai retravaillé. Alors, le chat, je l'avais déjà commencé, hein, comme vous avez pu voir sur la photo de mon d'avant. Voilà. Donc, j'ai avancé mon chat. Alors, je vous avais dit, hein, le chat, je ne vais pas le faire d'une traite. Enfin, je fais un petit peu le chat, je repars par là, je reviens là, je vais aller là. Voilà. Parce que le chat est tout uni, comme ça, en gris foncé. Et je veux pas me... Comment? Faire une indigestion du chat. Voilà. Donc, j'ai fait... Alors, j'étais là. Donc, j'ai fait tout ça à peu près. Pardon. Et j'ai fait la patoune qui manquait ici. Donc, j'aime toujours autant le fer est très, vraiment très, très agréable. De toute façon, comme tous les points, même les carottes, ceux qui sont habitués, bon, ils savent pourquoi je dis ça. Ceux qui ne connaissent pas encore, les carottes, c'est parce que j'ai galéré, galéré, galéré. Je vous mets une photo dans le feuillage. Ça m'a pris un temps fou de faire ce feuillage. Et j'avais fait ça, mais en dernier, vraiment en dernier. Donc ça a été une horreur. Le jour où j'ai posé ma dernière croix, j'ai fait ouf, hurrah. Donc c'est pour ça, je ne veux pas être dans le gris, 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 gris. Voilà. Je vais. Pardon. Je veux faire un petit bout à la fois et puis voilà. Et j'avance tout aussi bien comme ça. Donc elle est faite sur une étamine 12 points 6 fils Vichy grise. Voilà. Vraiment très agréable cette toile en plus. Je vous avais pas dit, la grenouille elle est faite sur une étamine 12 points 6 fils également. C'est pas blanc. C'est blanc cassé, on va dire. Voilà. Donc, la Lily Point, je l'ai mis sous. Là, j'ai fait plus ou moins de 150 croix. Alors, quand je vous dis plus ou moins, c'est parce que là, ce ne sont pas des broderies qui sont dans mon Pattern Keeper. C'est une application, hein, pour les broderies. C'est que je brode avec le patron papier. Voilà. Donc c'est toujours un peu plus compliqué de compter les croix, mais je sais toujours à peu près à 2-3 croix près ce que j'ai fait. Donc là, c'était plus ou moins 250. De toute façon, 250, c'est la moyenne que je veux faire chaque semaine pour chaque broderie. Des fois je fais plus, des fois je fais moins, vous allez voir. Mais j'essaye de me tenir au minimum à 250 croix. Ensuite, celle-ci. Alors, ça, c'est un sale, mais je crois qu'il est terminé maintenant, le sale. Et moi, je l'avais pris en cours de route, hein, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Enfin, on rigole pas quand je dis c'est pour ça que je l'ai pas fini, non, parce que moi je suis en retard sur tous mes salles, vous le savez, même ceux que moi j'organise, comme on dit, c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé, hein. Donc voilà. Donc ça c'est le sale qui était organisé par Julia Roscocon, pardon. C'est un modèle All Forest, c'est un modèle gratuit.
J'en suis presque bien maintenant à la fin. Là, cette fois-ci, j'ai fait pile 250 croix. On devait faire 1000 croix par mois. Donc, j'essaye de m'y tenir. J'essaye de me tenir à mes 1000 croix par mois. J'ai déjà brodé 10 818 croix sur cet ouvrage. Voilà. Et j'en suis à 85%, à 85,69%. Bon, on va dire 86. Ce qui fait bah, qu'il ne me reste pas grand-chose. 86, il me reste 14% à faire. Voilà. Donc celle-là, elle devrait normalement être bientôt terminée. Je m'étais donné comme objectif de la finir ce mois-ci. Donc je vais essayer. Je vais essayer au maximum de pouvoir la terminer ce mois-ci. Ça fera déjà une de moins. voilà. Mais elle est vraiment bien. Donc là, j'ai brodé quoi? Ah oui. Alors, c'est dommage, c'est que cette couleur-là, vous voyez, les couleurs-là, on ne les voit pas beaucoup. Bon, c'est pas grave. Donc, il y a comme une fleur, là, en forme d'étoile. Ici, on a une citrouille. J'ai fait le chat. J'ai fait ouais, ça ici et j'ai commencé la frise qui descend ici. Voilà. Donc ça m'a fait 250 croix. Mais c'est vrai que si jamais pour une autre fois je rebrode sur une couleur de toile comme ceci et qu'il y aurait encore une couleur, j'essaierai de prendre une couleur. Alors, c'est même pas la couleur d'origine, hein, la couleur d'origine est encore plus claire. Donc j'avais des. Non, 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 tu bois pas à monter. Fifi adore quand il y a de l'eau ou quelque chose dans les verres et elle va boire dedans. Elle a une gamelle d'eau sur son arbre à chat avec ses croquettes, mais elle va toujours boire dans les gamelles des chiens. C'est meilleur. Ouais, donc je vous disais, si jamais un jour je dois broder dans ces couleurs-là, que je suis sur une toile comme ça, je changerai la couleur. Voilà. Mais bon, là, ça. Là, à l'écran, ça se voit moins bien. Mais moi, là, que je regarde en vrai, voilà, ça va. J'arrive à voir, je vois très bien quand même les dessins. Donc c'est le retour écran aussi qui atténue la couleur. Voilà. Donc celle-là, elle devrait bientôt être finie. Je serais bien contente. Ça m'en ferait une de moins. Surtout que je crois, en plus, normalement, j'ai déjà son cadre. Alors elle est faite sur une étamine aussi, 12 points 6 fils. Ensuite, je vais vous montrer celle-là, elle est là. Hop. Alors, celle-ci, c'est la broderie que je fais avec Geneviève et Sonia. Sonia, c'est la chaîne Diamant Rose. Voilà, ce sont deux Québécoises. Et on a décidé de faire un modèle de chez Languedoc Sampler. Et on fait le Two Mains Maurice. Voilà, donc je vous remontre le dessin. Moi, je vous ai mis la photo, mais bon. Voilà, donc on est en train de faire ce modèle-là. Et moi, je suis en train de broder donc ce coin-là. Ici. C'est encore du taf, hein, mais on vient de le commencer. Hein. Alors, on l'a commencé ben, le 1er juillet. Je bois un coup, ça passe plus. Je sais plus ce que je disais du coup. Bon, c'est pas grave. Alors, celle-ci, je la brode sur un lin 16 fils. Voilà. Je me remets un petit peu à la fois à broder sur du lin. Et voilà ce que j'ai déjà brodé. Alors,
Est-ce que je sais pas, j'ai du mal à vous montrer les couleurs aujourd'hui. Voilà. Vous voyez, c'est avec un fil multicolore. Ce n'est pas le fil variation, je le dis à chaque fois. Ça n'a rien à voir avec le fil variation. C'est le multicolore DMC. Et celui-là, c'est Nuit canadienne. Il est trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. Alors, c'est vrai que, comme je vous viens de vous dire, bon, les lumières ont du mal à... Particulièrement aujourd'hui, je crois. Je ne sais pas pourquoi. Les couleurs ont du mal à... On dirait que ça fait trouble. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est mon... Comment... Attendez. J'ai nettoyé l'objectif de mon téléphone, c'est peut-être ça, on ne sait pas. Hein. Oui, voilà, c'était ça. Alors, je ne sais pas si au montage, ça aurait été bien tout le temps, mais moi, en retour, je ne le voyais pas bien. Voilà. Vraiment super agréable à broder. On n'a pas envie de s'arrêter quand on le fait. Alors, c'est un modèle payant, hein, bien sûr. Donc, vous le trouvez sur le site Languedoc Sampler. Je vérifierai que je vous l'ai bien mis en barre d'infos. Et donc, oui, je vous disais que je brodais donc, sur une toile de lin 16 fils. Donc, c'est très fin. Bon, il y a encore plus fin hein, pour le lin. Mais c'est beaucoup plus fin que l'étamine 12.6 fils. Celle-ci, elle est où? J'ai fait 400 croix. J'ai fait 400 croix, donc j'avais terminé mon étape. Enfin, c'est pas vraiment des étapes, on brode un peu comme on veut, mais je me suis mis une base de 1000 points par mois pour celui-là, et j'en ai fait 1078. Donc, j'ai dépassé mes 1000 points, donc c'est très bien. Donc, j'avais fait 400 croix et je suis à 2,74%. Bon, c'est le début, hein, donc voilà. Petit nounours, là, c'est un aimant à Sabine de poussière d'étoile. Voilà. Mais vraiment, c'est un modèle super agréable à faire. Allez, rentre dans ta maison. Hop. Voilà. Alors, celui-là, je vous l'ai montré. Je n'ai pas barré l'autre. Julia, je l'ai mis où le Julia? Ici. Voilà. Et le Lily Point. C'est bon. Ensuite, allez, je prends au hasard. Bouddha. Oui, j'ai travaillé mon Bouddha. ça faisait un petit moment que je n'avais pas travaillé dessus. Mince, ma fermeture est coincée. Et donc, j'ai décidé de travailler dessus. Ah, bah alors, j'arrivais plus à l'ouvrir. Le voici. Alors, j'ai travaillé ici. Et quelques points manquants aussi dans le visage que j'ai rajouté. Donc, dans le visage, il doit en manquer encore 4-5 peut-être. Non, on va dire une dizaine. Voilà, il doit en manquer une dizaine que je vais rajouter la prochaine fois. Mais voilà mon Bouddha. Donc ça, c'est un modèle de poussière d'étoiles. C'est un modèle gratuit que vous trouvez directement sur la boutique. Il vous suffit d'aller dans les modèles gratuits. Et vous faites comme si vous passez commande. Et ensuite, vous le téléchargez. C'est gratuit, donc vous ne paierez rien. Mais il faut faire comme si vous passiez une commande. Voilà, donc... Il y a d'autres modèles encore gratuits, hein. Donc même si vous passez une commande d'aimant d'autres toiles, vous pouvez rajouter ce modèle sur votre commande et vous pourrez le télécharger directement. Voilà, il est beau mon Bouddha.
Bon, j'aimerais bien qu'il soit fini. Le problème, enfin, c'est pas un problème. C'est que celui-ci, il demande un peu plus d'attention parce qu'il est, y a par endroit. Bon, c'est surtout là où je n'ai pas encore terminé. C'est très confetti, enfin très. On va dire très confetti. Non, c'est pas ça que je veux dire. Enfin, si c'est confetti, mais ça va, c'est encore raisonnable. J'ai vu pire. donc, il faut quand même être un petit peu attentif par moment. Malgré que celui-là, il est sur mon pattern keeper, hein, bien sûr. Mais voilà. Étamine, 12 points, 6 fils, bleu ciel. Voilà. Alors, j'avais choisi une toile bleue. Le Bouddha se brode avec beaucoup de bleu, de blanc. Voilà. Donc, je trouve que ça ressort bien de l'avoir brodé là-dessus. Quand il sera terminé, je l'encadrerai avec un cadre blanc. Voilà, je le ferai avec un cadre blanc. Et par contre, le tour, puisque moi, souvent, je mets des passe-partout, je verrai. Alors, souvent, moi, c'est des passe-partout qu'ils ont donné directement avec les cadres, puisque j'achète mes cadres principalement chez Action. Et souvent les passe-partout sont blancs ou noirs. Mais là, alors, l'idéal, ce serait que je trouve un cadre bleu. Mais chez Action, il n'y en a pas. Ça, c'est sûr. Ou alors, je peux faire, j'achète un cadre blanc. Voilà. Une bombe bleue. Et je fais mon cadre bleu. Et comme ça, mon passe-partout, je peux le laisser blanc. Et bleu, blanc, bleu. Voilà. Très bien, non? On verra quand on y sera. Hein? Je vous referai une vidéo à ce moment-là, le jour que j'aurai décidé quel cadre je mets. Voilà. Bon, lui, il a encore du boulot dessus. Mon Bouddha, je l'ai marqué où? Oui. Alors, je ne suis pas encore à la moitié. Oui, il y a encore du taf dessus, hein, quand même, sur celui-là. Là, j'ai fait 250 croix et j'ai brodé en tout 5183 croix. J'en suis à 40,31%. J'ai encore 60% à broder dessus. J'ai du taf. Mais bon. Pareil, il n'y a pas d'urgence. Il sera fini quand il sera fini. Voilà. Bon. Bah, je vais vous mettre des photos. Je suis désolée, c'est vrai, j'ai déjà préparé mon tambour. À moins que. Non, vous ne le verrez pas. J'ai déjà préparé mon tambour pour le prochain nounours. J'ai pu penser à la vidéo. C'est ballot. Mais bon, c'est pas grave. Je vous mets la photo. Alors, vous pouvez voir que j'ai terminé ma petite fille, Nounours. Voilà. Je l'ai fini. Alors, j'ai fini quand? Oui, avec un jour de retard. J'ai terminé mon étape avec une journée de retard. J'ai terminé le premier. non, le 2. Le 2, pardon. Le 2. Donc, 2 jours de retard. J'ai fait 200 croix. C'est ce qui me restait à broder, sauf que, donc ça c'est l'étape 4, sauf que vous pouvez voir à la frise en haut et vous pouvez voir sur le côté, il y a des petits sapins. Et normalement, avec la petite frise qui est en haut, donc là, bah, là je peux vous montrer.
voyez, cette frise-là, vous l'avez vue hein, sur la photo. Avec cette frise-là, je devais broder également le bas du sapin ici, donc tout au long. J'ai fait le choix exprès de ne pas le faire maintenant. Je me suis dit, je le ferai en même temps que je fais les sapins. Donc là, c'était la première fois, je n'avais pas fait le sapin en entier. Mais du coup, j'ai dit, quand je serai pour faire l'ours du haut, ben, je ferai les sapins en entier. Voilà, il n'y a que ça que j'ai pas fait, mais c'était le choix que j'ai choisi pour moi. Là, on est au cinquième nounours ce mois-ci. Voilà, donc là, moi, je vais l'attaquer dans la semaine. Là, c'est le... C'est qui? C'est qui ce petit ours? Alors, papa ours, papy ours, c'est fait. 1, 2, 3. Et le petit garçon ours. Voilà. Alors, papa ours, c'est fait. Papy ours, c'est fait. Ben, la fille, c'est fait. Le petit garçon, c'est fait. Donc là, maintenant, on va faire la grand-mère ours. Et il nous restera plus que la maman ours à faire en dernier. Mais ce mois-ci, on a la mamie ours. Voilà. Donc, ça devrait bien aller également. Il n'y a pas de souci. Donc, je vous ai dit hein, combien. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Oui, j'ai fait environ 200 croix. Donc là, je brode en format papier. Donc, ce n'est pas sur mon pattern Keeper. Donc, je ne peux pas vous dire le pourcentage. Mais là, on est maintenant au cinquième ours. Donc, on est au... Alors. Non, on est à 60%, ouais, je pense que c'est ça, 70%. Voilà, alors les zouzous, les nounours, c'est fait. Voilà, ensuite, oui. J'ai travaillé également sur mon Caroline Manning. Voilà. Alors, j'ai bien avancé dessus. J'aime beaucoup. J'avais du mal à le lâcher hier, en fin de compte. Alors, vous allez me dire, bah, pourquoi t'as pas continué là? Bon, je n'avais pas envie. J'avais pas envie, donc moi de temps en temps, bah, je vais là, je vais là, je vais là, voilà, je tourne. Bon, mais la fois prochaine, vous verrez que ça, ce sera rempli. Comme ça, le carré là, il sera terminé. Et ouais, là, j'ai déjà commencé les extérieurs du carré. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Combien j'ai fait de croix dessus? 250. Voilà, j'ai fait 250 croix. En tout, j'ai déjà brodé 2278 croix dessus. Ce qui me fait 20,66%. Voilà. Mais je me répète encore à chaque fois, je vous le dis chaque semaine. Le pourcentage là est biaisé parce que moi je ne vais pas broder le fond qui se fait en 33-65. Je vais laisser tel quel. Je ne veux pas le broder. Donc le pourcentage n'est pas bon quand je vous le donne. D'ailleurs, je pense que je vous le donnerai plus. Je vous donnerai juste le nombre de croix que j'aurai fait la semaine et le nombre de croix total que j'aurai brodé.
Comme ça, on ne va pas se mélanger les pinceaux. Donc, voilà. Ensuite, est-ce que je l'ai fait celui-là? Oui. Alors, Caroline Ménine, je vous l'ai montré. Alors, je pensais avoir réussi à finir mon étape. Là, par contre, j'ai pas réussi. C'est un sale que j'organise. Et c'est bien ce que je vous disais, hein, c'est le cordonnier le plus mal chaussé. C'est le Alice au pays des merveilles. Donc, c'est un modèle de chez All Forest. Voilà. Donc, je suis ici. Donc, j'ai déjà fait mon petit personnage. Il reste à mettre du blanc là dedans. Et j'ai encore deux, trois petites bricoles un peu comme ça à mettre ici. Voilà. Je pensais vraiment réussir à le terminer et j'ai pas su. C'est pas très grave. Voilà. Et pourtant, j'ai essayé d'aller vite, hein, sinon je n'arriverai pas. Mais voilà, bon là, il me reste quoi? 2 heures de boulot pour le terminer, peut-être moins même. Voilà. Donc, celui-ci. Ah, oui, ben attends une seconde. Juste, je dis quelque chose et je vais t'ouvrir. Il veut faire le pipi. Le Alice, il est où? J'ai fait plus ou moins 350 croix. Voilà. Puisque celui-là, je le brode en format papier. Mais j'ai quand même fait presque 300, ou j'ai fait 350 croix. Voilà. Bon, ça pleure. Ça veut faire pipi. Donc, je vais leur ouvrir la porte et je reviens tout de suite. Ne partez pas. Voilà, la pause pipi est finie. alors, qu'est-ce que je ne vous ai pas encore montré? Donc, ça, c'est dans les grands. Je regarde dans les petits si je vous ai tout montré. Non, il en reste un. Celui-là, je viens de vous le montrer, le Alice. Ça, c'est un grand. Voilà, j'ai encore un petit à vous montrer. Enfin, oui, c'est un petit celui-là, mais je veux dire, c'est pas ceux qui sont sur les grands métiers à broder ou sur les grands cuisses-nappes. Alors, celui-ci, c'est un que je fais en duo avec Amélie de la chaîne Dazzling les Diamants. Donc, on se fait 1000 croix par mois. Voilà. C'est un modèle de poussière d'étoile. C'était un modèle qu'on avait eu dans une box. Et voilà où j'en suis. Donc, le modèle, vous l'avez ici. Voilà, sur l'aimant. C'est la demeure de charme. Alors, pour l'instant, ça fait comme des petits morceaux. C'est parce que je fais comme ça. Tout simplement. Après, je vais remplir les fenêtres hein, comme celle-ci. Voilà. Et là, il va y avoir aussi des colonnes de blanc. Voilà. Donc, le blanc, je vais peut-être le faire parce que j'avais déjà commencé le blanc. Mais après, je me suis dit, bon, bah alors tu tousses. Le blanc, c'est plus salissant. Donc, souvent, je fais cette couleur-là en dernier. Là, c'est ce que je pense que c'est ce que je vais faire. Pour pas que le fil se salisse. Voilà. Donc là, j'ai fait 250 croix aujourd'hui. Je les ai faites aujourd'hui d'ailleurs. Donc je vais faire 250 chaque semaine pour arriver à mes 1000 croix pour le mois. Alors pour l'instant, je n'ai pas la photo. À moins que je l'aurais eu entre deux, mais là, à l'heure où je vous parle, je n'ai pas la photo d'Amélie parce qu'elle n'avait pas encore brodé sa partie de ce mois-ci.
Mais ça, je vous le montrerai sinon la semaine prochaine. Elle fait son Floss-Tube le 15. Tous les 15 du mois, elle fait son Floss-Tube. Donc, j'aurai la photo à ce moment-là. Je vous montrerai. Donc, voilà où j'en suis. Alors, ici, c'est brodé sur une étamine 12,6 fil blanche irisée. Vous voyez, on voit que ça brille. Donc, c'est une toile qui vient également de la boutique de poussière d'étoiles de Sabine. Elle faisait partie de la box. Donc, voilà. Très agréable à faire aussi. Bon, c'est vrai qu'il y a des grosses parties avec toujours la même couleur, mais ça ne me gêne pas puisque là, vous voyez, je fais par morceaux. Donc, ça ne m'embête pas de continuer comme ça. Donc là, je suis arrivée où? Oui, alors j'ai. Attendez que je ne me trompe pas. Oui, la fenêtre qui est là, c'est celle du milieu, ici en haut. Ça, bah, c'est celle d'à côté, hein, bien sûr. Et ici, c'est les deux qui sont là. Voilà. Non, c'est dans l'autre sens, c'est là. Oui, j'étais à l'envers là. Donc là, donc celle du milieu, celle à côté et là. Voilà, je fais ces deux-là. Non, j'aime beaucoup. De toute façon, j'aime beaucoup les modèles de Sabine. Ça, vous le savez. J'en brode pas assez, par contre. Bon, j'en ai déjà commencé, hein, puisque j'ai la grenouille. Alors, j'en ai une que j'ai commencé de Sabine. C'était la coccinelle, si vous vous rappelez. Pour l'instant, elle est mise sur le côté depuis un petit moment. Je la ressortirai peut-être quand j'aurai terminé la grenouille. Bah pour pouvoir la finir, hein, enfin la continuer, parce qu'au début, je crois que je n'avais fait que la tête de la coccinelle. Voilà, donc, mais je la ressortirai dès que j'aurai terminé ma grenouille, je pense. Donc, celle-ci, je vous ai dit que j'avais fait donc 250 croix. En tout, j'en ai fait du coup 1250 puisqu'on a fait 1000 croix au mois de juillet. Ce qui fait que je suis à 11,38%. Voilà. Mais ce n'est pas une énorme broderie. Hein, donc voilà. En tout, elle fait, je vais vous dire le nombre de croix. Alors, où est-ce que je l'ai mise? Ah, elle est là. Ah, je ne l'ai peut-être pas là-dessus où j'ai mis la carte. Ah ben, je suis bête. J'ai la fiche. J'ai la fiche. Voilà. Alors, nombre de points en tout, c'est 10 988. Et donc, j'ai dit que j'en avais fait 1250. Voilà, donc c'est ça. Et c'est une broderie qui fait 200 points sur 100. Voilà. Donc, vous pouvez toujours la trouver aussi sur la boutique de Sabine sans problème. Je profite également, du coup, en parlant de la boutique de Sabine. Donc là, quand vous allez regarder la vidéo, on sera le 4 et vous pouvez encore commander les box broderie, box papeterie jusqu'à demain, donc le 5 jusqu'à minuit. Vous pouvez encore commander les box. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, allez-y vite en courant parce qu'en plus, le modèle, voilà, chaque mois, les modèles sont superbes. Ce mois-ci, le modèle, c'est les libellules. Donc, si vous aimez les libellules, n'hésitez pas à aller commander la box. Donc, il y a la box broderie et la box papeterie. Je profite également pour vous donner un code promo. Alors, attendez, je note juste un truc. Voilà. Je vous donne un code promo.
C'est pour les premières commandes, si vous n'avez jamais commandé chez Sabine. Et le code promo est hors box et hors pochette surprise. Sinon, vous pouvez vous en servir pour tout le reste de la boutique. Et ça vous donnera 10% sur votre commande. Et le code, c'est Didit en majuscule. Je vous l'aurai remis à l'écran. Et de toute façon, vous l'avez en permanence dans la barre d'infos de toutes mes vidéos. Voilà. Alors pour les petites, je vous ai tout montré. Alors celle-là, elle est où? Elle est là. Elle est ici. Je mets sur pause 2 secondes, le temps de remettre toutes ces broderies dans ma malle. Et je vous montre tout de suite la suite des broderies. Voilà, j'ai tout rangé. Alors, on va passer aux grandes broderies. Alors, j'ai travaillé sur ma japonaise. Donc, la japonaise, je vous rappelle que c'est un mode là, c'est un modèle HAED. Ah, attendez. Voilà. C'est un modèle HAED. Je suis à combien de pourcents? À 5,18%. Bon, c'est normal dans les achats ED, hein, puisque c'est très long à broder. Ce sont des modèles qui sont vraiment très grands. Donc voilà où j'en suis. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai arrêté de faire en diagonale. Parce que j'ai vraiment hâte de voir les dessins se former. Et puis après, il va y avoir. Donc là, il va y avoir ses cheveux ici, une partie de ses cheveux. Il y a encore des fleurs ici à droite, à gauche. Et son visage va commencer à apparaître là. Et j'ai vraiment hâte de ça. ça. Je trouve qu'au moins, je me vois mieux avancer et ça me motive plus à avancer plus vite. Voilà, alors je vais bien vous mettre pour que vous voyez les couleurs. Donc ça, c'est la première feuille qui est au-dessus de sa tête. Ça, c'est son pic à cheveux qui est là. Quand je l'ai fait, alors je l'ai fait quand? Mercredi. J'avais pas envie de le lâcher. J'étais vraiment à un moment, je disais à Chouchou, bon attends, hein, je termine mon fil et puis j'avais un truc à faire et puis je fais donc ce que j'avais besoin de faire. Et quand j'ai fini mon fil, j'en ai repris un autre et continué. J'arrivais pas à le lâcher. Tant mieux. Parce que bon, ben voilà. Et j'ai vraiment hâte d'avancer sur sa tête. Voilà. Malgré que là, ça commence à faire partie de sa tête, hein, puisque c'est. On voit son pic à cheveux, là, voilà. Et là, on commence à voir des couleurs un peu plus foncées. C'est parce que là, il va y avoir ses cheveux ici, ses cheveux noirs. Mais j'aime beaucoup les couleurs. Vraiment superbe, superbe. Alors, j'ai décidé de faire une chose. Je vais me consacrer une journée par semaine à une broderie. Je ne ferai celle-là que toute la journée. Bon, sauf quand j'ai besoin de m'arrêter dans la journée, hein, bien sûr. Mais je ne ferai que le lundi, je ferai une seule broderie. Ça va me permettre déjà d'avancer plus vite sur certaines broderies. Ou alors, le lundi, je ferai un achat ED ou voilà. Mais j'ai envie que le lundi, ce soit consacré qu'à une seule broderie. Pour pouvoir avancer plus vite et puis découvrir plus rapidement le dessin de la broderie.
Donc, je ne sais pas encore vraiment si je vais faire pour un achat ED ou alors on va tirer au hasard une broderie et puis je me tiendrai sur celle-là que le lundi. Je vais voir comment je vais faire. Voilà. Alors, celle-ci, la japonaise, donc j'ai fait 400 croix, donc mercredi. En tout, j'en ai déjà brodé 3915. Bon, ce n'est pas beaucoup, hein. Et donc, je suis à 5,18%. Voilà. Mais j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Trop, trop belle. Hop, on va la remettre dans sa pochette. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, malheureusement, la vidéo ne durera pas 2 heures aujourd'hui. Ça ne pourra pas. Je vous explique pourquoi. Du coup, celles qui aiment le tricot, bah, je suis sûre qu'elles vont déjà se sauver. Non, restez, faites-moi plaisir. Cette semaine, à cause des chaleurs que l'on a eues, je n'ai pas pu prendre mes aiguilles. Enfin, si, j'ai fait un rang et je ne pouvais plus. Il faisait vraiment trop, trop, trop chaud. J'avais les mains super moites. Donc, j'ai dit stop, le tricot, ben, ça passera à la trappe cette semaine. Cette semaine, il n'y aura pas de tricot dans ma broderie. Dans ma vidéo. Voilà. Mais bon, il y en aura la semaine prochaine. Les températures doivent se calmer, normalement. Mais donc, la semaine prochaine, vous aurez de la broderie, sans problème. Oh, mais j'y tiens. Du tricot. Voilà. Oh, mince alors. Allez, ensuite, là, c'est laquelle? Ah oui. Alors, j'ai fait, vous savez, enfin, vous savez, si je vous le dis pas, vous ne le savez pas. J'avais pris du retard sur ma maison météo. J'avais 2 semaines de retard. Avec cette semaine ici, ça m'en faisait trois semaines de retard. J'ai rattrapé 2 semaines. Voilà. J'ai rattrapé 2 semaines ici. Voilà. Donc ça, c'était la semaine dernière. Et ça, c'était la semaine d'avant. Et celle-ci, normalement, c'est celle de cette semaine. Mais je vais la broder en faisant le montage de la vidéo. Comme ça, je serai à jour. Et je vais broder les boiseries de ces deux fenêtres-là. Voilà. Tiens, il y avait longtemps. Voilà, donc il me reste celle-ci à rattraper. Ça va aller très vite, hein. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Merci, c'est couché. Oui, donc comme ça, je vais rattraper celle-là demain. Et je ferai mes deux boiseries. Et je voudrais bien essayer d'avancer ben, le toit ou les décorations qu'il y a en bas, c'est-à-dire les arbres, les fleurs. Je verrai. Parce que bon, ou alors que je travaille sur le toit, et puis comme ça, après, je vais pouvoir remonter ma broderie pour pouvoir continuer après plus bas. Je crois que c'est ce que je vais faire. Bon, je ne sais pas si je ferai tout demain, hein, on verra bien. Mais voilà, je vais déjà rattraper ma semaine de retard, qui va aller très vite à faire. Hein. Voilà. Alors, vous voyez que les températures, ça y est, hein, ça monte. Donc là, il va y avoir du rouge. Là, c'est du orange. Mais cette semaine, il y aura du rouge parce qu'on a eu des températures à plus de 31. Je sais plus combien il y avait exactement, mais il y a eu des très grosses températures. Donc là, ma fenêtre risque d'être bien rouge. Voilà.
En même temps, de toute façon, il va falloir que je vous fais une vidéo de cette broderie parce que en bas, il y a une pelouse à broder. Et puis, je vous dis, il y a les arbres. Mais je vais les faire avec des fils spéciaux que j'avais achetés exprès surtout pour ça. Donc, je vais très certainement vous le faire en vidéo. De toute façon, comme c'est sur le métier, je peux monter ça et le redescendre après, puisque ça se tourne. Hein. Donc, voilà, je vais voir comment je vais faire. Mais j'ai bien envie de vous faire la vidéo de tout au moins de la pelouse et des arbres. Mais bon, je ne ferai pas tout en même temps. Mais pour vous montrer avec mon fil spécial, c'est un fil laine. Voilà, donc comme ça vous pourrez voir ce que vous m'avez demandé, hein, certaines d'entre vous m'ont demandé de faire une vidéo justement avec ces fils-là. Donc comme ça vous pourrez voir. Voilà, donc demain en faisant le montage, donc c'est déjà aujourd'hui pour vous, en faisant le montage de la vidéo, je vais terminer la fenêtre, je vais faire la fenêtre de cette semaine, les boiseries pour les deux fenêtres des semaines qui vont arriver. Voilà, et là j'ai encore, vous voyez, des boiseries à mettre là. Ici j'ai encore deux fenêtres entières à faire. Voilà. Mais ça va vite quand même. Hein. C'est pas des gros morceaux à broder, donc ça va très vite. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, qui se diraient c'est quoi ce modèle? Donc c'est la maison météo. C'est un modèle que j'ai dessiné moi-même, que j'ai créé. Voilà, et donc on est plusieurs à plusieurs à le faire. Alors, est-ce que j'ai le dessin ici? Sinon, je vais vous mettre la photo. Hein, ça va être plus. Oui, je vais vous mettre la photo, ce sera beaucoup plus simple. Ah oui, non. Et donc vous avez vu la photo, donc c'est un modèle que moi j'avais dessiné et que j'ai organisé en salle. Et donc ça s'est fait sur 1 an et demi. Pendant les 6 premiers mois, on a fait la structure de la maison. Enfin, moi je ne l'ai pas terminé, mais bon, toujours pareil, cordonnier plus mal chaussé. Et à partir du 1er janvier de cette année, on avait commencé à broder l'intérieur des fenêtres. Une fenêtre, c'était une semaine, et une vitre, c'était une journée. Donc, on brodait les températures, on brode les températures de la journée dedans. Voilà. Donc, celle-là, j'ai fait quoi? Là, je les ai comptées, malgré que je brode sur papier, 267 croix. Voilà. Ensuite. Alors, je n'ai pas travaillé sur mes pans royaux cette semaine, mais j'ai travaillé sur. Oh. Ça va, je te gêne pas trop, Fifille? Non, ça va. C'est cool. C'est cool. Si Fifille trouve que c'est cool, c'est que c'est cool. Oui, je parle à mes animaux. Le matin, ils ont leur bonjour. Le soir, ils ont leur bonsoir. Et puis, on leur parle dans la journée. Chouchou aussi, on parle à nos animaux. C'est tout à fait normal. Bon, alors, est-ce que j'ai travaillé sur celle-là? Oui, j'ai travaillé sur celle-ci. Alors, celle-ci, c'est celle que je vous dis que je considère comme un HAED, mais qui n'en est pas un. C'est une image, hop, que je vous mets, que j'ai transformée en grille de broderie. Voilà. Donc, c'est ma steampunk. Bon, je sais, je n'ai pas encore beaucoup avancé, mais voyez, hop, c'est la première feuille là, qui est à côté de son chapeau, que vous avez pu voir sur l'image. Je vais peut-être vous remettre l'image là. Voilà. Et on commence à voir son chapeau ici. Voilà. Donc, il y a beaucoup de bleu. Hein, c'est normal. Hein, c'est une steampunk bleue.
J'ai bien avancé dessus, c'est pareil. Alors maintenant que je fais comme ça, vous voyez que je dévie, hein, ben écoutez, j'ai l'impression de travailler plus vite, d'en faire plus. Parce que ben justement, là j'étais super contente de commencer à voir la feuille se former. Voilà, c'était vraiment, vraiment top. Je suis contente. Bon, elle, j'ai hâte aussi de voir son visage, hein, mais bon, là, j'y suis pas encore. Il y a un grand chapeau là qui vient. Donc, je ne suis pas encore tout de suite sur le visage. Masking Puck. J'ai fait 556 croix. Vous voyez, j'ai vraiment bien bossé dessus. J'ai fait 556 croix. J'en suis à 3178 croix de brodé et j'ai fait 2,64%. Voilà. Alors, j'ai eu un message, bon, il n'était pas adressé à moi particulièrement, mais c'est une personne de mon groupe qui disait, parce que j'ai une autre personne qui disait, ouais, c'est un superbe modèle. Et une autre personne disait, non, ça va être comme les achats, c'est trop grand, ça va être comme les achats ED, ça va être flou, et tout ça. Non, les achats ED ne sont pas flous du tout, mais alors pas du tout. Il faut pas confondre, donc déjà en point compté, les broderies achats ED ou grandes comme ici, comme je fais la Steampuck. Parce que là, moi, déjà, j'ai 150 couleurs sur ma Steampuck. Donc, avec un nombre de couleurs, un tel nombre de couleurs, ça ne peut pas être flou. Et il ne faut pas confondre, justement, je crois qu'il y a des personnes qui font l'erreur avec les broderies chinoises, qui font aussi des grandes broderies, et que le résultat est flou, là, les couleurs sont mélangées, voilà. Mais là, c'est normal, parce que déjà, vous n'aurez jamais 150 couleurs sur une broderie chinoise. Les toiles, c'est de l'Aïda, et souvent, alors les très grandes, souvent, c'est du 11CT. Donc le 11CT, c'est du l'Aïda 4, donc c'est très gros. Même si c'est une 14CT, bah, c'est pareil, c'est une Aïda 5,5, donc les trous sont quand même hein, déjà aussi plus gros. Donc les croix sont plus grandes. En plus, sur le 11CT, vous allez broder avec trois fils, le 14CT avec deux fils, comme ici. Mais le résultat sera plus grossier, voilà, plus flou, plus les couleurs plus qui seront pas les bonnes couleurs, voilà. Donc non, les broderies HAED, en aucun cas les broderies sont floues. Vous prenez, moi je suis sur le groupe HAED de Facebook, les brodeuses mettent leur broderie des fois terminée ou même pas terminée. En aucun cas, c'est flou. Je vais essayer. J'avais des photos que j'avais récupérées pour mettre sur mon groupe. Si j'y pense, je vais vous les mettre. Donc, je me remets un petit mémoire. Je me mets des petits mémoires sur mon carnet pour le montage de la vidéo. Et vous verrez qu'en aucun, on dirait des photos, on dirait des photos, voilà. Alors, photo HAED, comme ça j'oublie pas. Non, les HAED, ce n'est pas flou. Il faut vraiment pas confondre les broderies chinoises et les broderies HAED ou les grandes broderies qu'on fait comme moi je fais là. Pareil, ma belle-fille est en train de broder. Alors, c'est une broderie que vous devez connaître. Alors, attendez, où est-ce que j'ai mis ma belle-fille? Elle est là. Hop. Là,
Alors, c'est une broderie que vous devez connaître qui est. Alors, je vais vous montrer le dessin. Juste une petite seconde. Juste, voilà. Hop. Celui-ci. C'est une broderie que vous connaissez. Hein. Elle est beaucoup vendue sur les boutiques chinoises. Moi, j'ai récupéré la photo originale. J'ai retrouvé la photo d'origine. Originale, d'origine, oui. Et je l'ai transformée donc en grille de broderie. Donc là, pareil, ma belle-fille le brode avec 150 couleurs. Et voilà ce que ça donne déjà. Vous voyez, on voit les patounes du chat. Et je vous remettrai peut-être la photo à côté. Et vous voyez, c'est pas flou, hein. Ce n'est pas flou du tout. On voit bien tous les détails. Donc les broderies que l'on fait comme ça, quand on fait la grille soi-même et qu'on met beaucoup de couleurs, ou les achats ED qui ont énormément de couleurs. Il y a des achats ED, ça commence à 85 couleurs, mais il y en a jusqu'à 280 couleurs. Donc, ce n'est pas des broderies floues. Voilà. Je voulais juste donner l'explication parce qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre les Chinois. Les Chinois, eux, ce qu'ils prennent, ils volent une photo. Voilà, ils volent une photo. Non, mais vas-y, tu te grattes sur ma broderie. Ils volent la photo, mais ils ne retravaillent pas la photo. Hop, ils ont piqué la photo, ils l'ont mis dans leur ordi, et hop, on lance la production. Voilà, ils ne retravaillent pas les. Je sens que ma lampe va s'éteindre. Bon, ils ne retravaillent pas les broderies. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de défauts dans les broderies. Donc, ma steampunk, je vous ai dit que j'avais fait donc 556 croix et 2,64%. Ça avance, ça avance. Alors, je compte deux broderies à vous montrer. Merci Fifille. Ici, alors ça y est, j'avais. Enfin, non, je ne l'avais pas abandonné, mais je ne l'avais pas sorti. J'en étais toujours au premier carré, j'avais pas fini le fond. Et voilà, mon premier carré est terminé. J'ai commencé le deuxième. Et ça, c'est le patchwork sampler, c'est le nom qu'on lui a donné, que je fais avec le gang des Québécoises. Voilà. Donc, on doit faire 10 carrés comme ça jusqu'au mois d'octobre. Bah, j'en suis à mon deuxième, mais on n'est pas encore au mois d'octobre. Donc, je ne suis pas en retard. Voilà. Donc, voilà où j'en suis. Alors, celui-ci, j'ai fait 400 croix. J'en suis à 1317 croix, soit 1,42%. Ça va. Hop. Et dernière broderie que. Oui, celle-là, je ne l'ai pas faite hein, ce mois-ci. Enfin, cette semaine. Non, je ne l'ai pas faite. Dernière broderie que j'ai faite, c'est mon duo avec Sonia de la boutique Diamant Rose. Voilà, donc c'est un sampler que l'on fait donc en fil étoile. On utilise du fil étoile. Alors, ah ben là, vous voyez un petit peu que ça brille. Vous voyez? Donc moi, j'ai utilisé deux couleurs. Je vous mets ici à côté la broderie de Sonia, là où elle en est. On en est au même endroit, enfin au même nombre de croix. On a fait 300 croix cette semaine. Maintenant, on fait 300 croix tout rond toutes les semaines. Et voilà où j'en suis. Donc moi, j'utilise deux bleus, le 939. Et celui-là, je ne saurais plus vous dire. C'est un turquoise, mais c'est comme un bleu turquoise, un bleu roi. Mais je serais plutôt un bleu roi. Mais je ne saurais plus vous dire le numéro. Si j'y pense, je vous le marquerai. Voilà.
étamine, 12.6 fils, bleu canard. Et Sonia, c'est une étamine 12.6 fils, couleur rubis. Voilà. Donc, très agréable à faire également. Bon, là, on a hâte que ce carré-là soit terminé pour qu'on en fait un autre. mais voilà, ça, c'est celui du milieu, hein, c'est normal. Enfin, le milieu était. Alors, attendez, est-ce que je vois encore la marque que j'avais fait? Non, j'ai l'impression que la marque s'est effacée. Mais voilà, c'était ici quelque part le milieu. Voilà. Très, très agréable à faire également. Donc celui-là, 300 croix, soit 2856 croix, et ça nous fait 7,32%. Donc pareil, il y a du taf, mais un petit peu à la fois. De toute façon, je vous dis, on fait 300 croix par semaine, donc ça nous fait 1200 par mois. Ça va très bien. Bah écoutez, je vous ai tout montré. Si je fais un petit point avec moi-même, celui-là, vous l'avez vu, celui-là, vous l'avez vu. Vous l'avez vu. Oui. Eh bien, je vous ai tout montré. Voilà. Mon challenge maintenant, voilà. Donc, vous savez, comme je vous avais dit, mon challenge, c'est de faire 3000 croix par semaine, en moyenne, au minimum plutôt. Et ce mois-ci, j'ai un peu battu. J'ai pas battu mon record, hein, j'ai fait pire. J'ai fait mieux. Cette semaine, j'ai fait 4404 croix. Voilà. Donc, j'ai fait 1404 croix en plus sur mon challenge. Donc, c'est très, très bien. Je suis contente de moi. Si vous voulez le détail, dimanche, j'ai fait 556 croix. Lundi, j'en ai fait 705. Mardi, 500. Mercredi, 800. Jeudi, 932. Vendredi, 700. Et aujourd'hui, j'en ai fait 767. Voilà. Donc, j'ai bien bossé. 16 broderies. Un peu plus de 4400 croix. Donc, non, j'ai bien bossé. Alors, par contre, je n'ai pas bossé sur tous les ouvrages que je voulais, que j'avais tirés au sort. Le colibri, j'ai pas fait. Le tigre, Halloween, Quaker, l'aquarium et la dame de Noël. Mais bon, j'en ai fait d'autres. Alors, je suis en train de préparer une nouvelle roue. Je n'ai pas encore fini de la préparer. Donc, exceptionnellement, on va encore tirer au sort. Avec l'ancienne, enfin les anciennes, parce que du coup il y en avait plusieurs, c'est pour ça que ça m'embête un petit peu. Mais j'ai. Ah oui, on change de mois, donc. On est où? On est combien aujourd'hui? On est le 3. Donc voilà. Donc, on va encore tirer au sort avec les anciennes. Mais la semaine prochaine, vous me verrez tirer au sort avec la nouvelle roue. Ce sera beaucoup plus simple. Alors, on va tirer au sort les points comptés. Alors, je sais que il en manque. Parce que je n'ai pas mis. Oh, je ne sais plus ce que Sonia m'a dit. J'en avais oublié. Je sais qu'il y a le. Alors, je vais le rajouter, celui-là. Le Autumn Quaker. Je vais le rajouter tout de suite. Malgré que je vais le mettre sur une autre broderie, enfin une autre roue après. Et qu'est-ce qu'elle m'a dit? Ah oui, le Long Dog.
Ouais, le long dog, je ne l'ai pas mis. Donc, je vais le rajouter. Long dog, quoi? Oh, j'ai la mémoire qui flanche. Non, 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 non. Ça me pleure. Voilà. Bon, j'en ai peut-être encore oublié un ou deux, mais c'est pas très grave pour aujourd'hui. Donc, allez, on va tirer au sort. Donc, on va en tirer plusieurs. Allez, c'est parti, mon kiki. Le tigre. Alors, je vois ma lumière qui clignote. Il y a un bouton qui clignote quand il n'y a plus assez de batterie. Et ça clignote depuis tout à l'heure. Donc, si la lumière s'éteint, ne vous inquiétez pas. Il y a encore le plafonnier qui fonctionne. Donc, on ne sera pas dans le noir. C'est juste que ce sera moins lumineux. Bon, Caroline Menning. Ah, j'ai pas mis sur la bonne page. Bon, c'est pas grave. Je recopierai après. Le hibou. Chouette. Mon pan. Mais c'est mes pans. Mais pas en royaux. 1, 2, 3, 4. Allez, on va encore en tirer un. Ah, mon fox. Il a besoin que je refais la queue, hein, mon fox. Voilà. on va regarder les salles. Bon, j'adore. C'est pour ça, celui-là, en plus, il y a plein de pubs, ça m'énerve. Allez, va-t'en, la pub. C'est des pubs Temu, en plus. C'est une... Alors. Ah, le nouvel an, il a bien besoin que je travaille dessus, le nouvel an. Parce qu'il est très, 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 très en retard. Bon, là, les salles, je tire au sort, mais j'ai des étapes à faire, donc voilà. Oh, le colibri, non? Ah non. Ah ben, le Old Forest de Julia. Allez, encore un. Alice. Voilà. Bon, les achats ED, ouais, on va en tirer un au sort. Et je, de toute façon, si je peux, je travaillerai sur deux, on verra.
La japonaise, youpi! Voilà. Pour l'instant, je ne tire rien d'autre au sort. Bon, les estampées, je ne tire pas au sort. Bon, on peut, mais on verra bien. De toute façon, après, il faut que je rajoute mes duos. La dame de Noël. Voilà. Allez. Dernier tirage. Ah ben non, j'ai déjà. Ah, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup là. Hein, donc. Le cheval. Faudrait que je termine aussi celui-là. Il n'y a plus grand-chose à faire dessus. Voilà. Donc, le cheval. Ensuite, j'ai mes duos. Donc, le duo, c'est. Alors, mon lily-point. Obligé. Vous me direz, il n'y a rien d'obligé, mais si. Pour moi, si. La demeure de charme. Après, il y a le Halloween. Et mon sampler au fil étoile que je fais avec Sonia. Voilà. Je pense n'avoir rien oublié, mais de toute façon, si, même si j'ai oublié quelque chose, c'est pas très grave. Oui, puis j'ai mon Languedoc sampler aussi. Voilà, c'est pour ça, vous voyez, j'ai des duos, les duos, tout ça. Ah, si, 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 j'en ai oublié un. Ma confiture. Ma confiture, ça dégouline. Voilà. Bah, écoutez, si je fais tout ça la semaine prochaine, ce sera déjà bien. Donc, lundi, je vous ai dit, je vais faire une seule broderie lundi. Donc dans ce que j'ai tiré au sort, donc le tigre, le Caroline Menning, l'hibou, les pans royaux, les fox, la japonaise. J'ai bien envie de faire la japonaise lundi pour bien avancer. Allez, lundi ce sera la japonaise. Donc ça, je mets lundi. Donc lundi, je ne ferai que la japonaise toute la journée. En plus, normalement, je ne dois pas bouger. J'ai pas de course à faire lundi. Donc voilà. Alors, en broderie point compté, ben, j'ai prévu de faire le tigre, le Caroline Menning, le hibou, mes pans royaux, le fox, en les salles, le Nouvel An, le salle de Julia, le Alice au Pays des Merveilles. Lundi, donc je ferai ma japonaise. Et en estampé, ce sera la dame de Noël et le cheval. En sachant que j'ai aussi mes duos, donc le Lily Point, pardon, la demeure de charme avec Amélie, mon Halloween Quaker, mon Patchwork Sampler, le Sampler à fil étoile et le Languedoc Sampler, plus ma confiture. Ça va être costaud cette semaine. On verra. Hein. C'est une trame que je me mets et puis après, comme vous avez vu cette semaine, il y en a que j'ai fait, il y en a que j'ai pas fait, donc voilà.
Et bien sûr, mon challenge des 3000 croix pour la semaine. J'espère en faire plus. Voilà, bah, en fin de compte, même qu'on n'a pas fait le tricot, on a bien avancé sur la vidéo. Je vais vous faire également... Alors, il n'y aura peut-être pas d'unboxing lundi. Je n'ai reçu aucun colis. À moins que je reçois lundi dans la journée. Mais je n'ai reçu aucun colis. C'est les vacances, hein, c'est ça. Donc, bah, il n'y aura pas d'unboxing normalement lundi. Je vais vous faire par contre une vidéo. J'ai acheté des revues de broderie française. Mais voilà. Il faut que je vous en parle. Donc je vous les montrerai et je vous expliquerai le pourquoi du comment. Donc j'espère pouvoir vous mettre cette vidéo lundi en ligne. Voilà, je pense avoir fait le tour. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, allez en arrière de une ou deux vidéos. Je vous ai fait une vidéo diapositive pour vous montrer toutes les broderies que j'ai fait sur l'année qui vient de passer, donc du mois de juillet à ce mois-ci, l'année dernière bien sûr, donc sur un an. Et je vous ai fait aussi une vidéo pour vous montrer tous les DP que Chouchou a fait également sur un an. Voilà, donc n'hésitez pas à les voir si vous ne les avez pas encore vus. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'étais très heureuse de faire cette vidéo comme d'habitude. Je pense que vous serez contents de regarder également. Voilà, enfin j'espère. j'espère qu'on va pouvoir bientôt avoir nos 8000 abonnés. Hein. Comme ça, je verrai si vous êtes sage. Si vous êtes sage, je ferai peut-être un concours. Peut-être, je vais réfléchir. Écoutez, vous savez à combien d'abonnés on est à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire samedi à 23h. 7998 abonnés. Yes! Il en manque deux. Donc, il y en a deux qui passent par là. et du coup, je vous ferai un concours ce mois-ci pour qu'on fête les 8000 abonnés. Et du coup, on fêtera les 8 ans de la chaîne en même temps. Voilà. On en reparle très vite. Je vous fais à tous plein de gros bisous. Nous, on se retrouve du coup très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous. Et il y aura du tricot la semaine prochaine en plus. Bisous, bisous.